En France, le nombre de demandeurs d'asile a presque doublé entre 2007 et 2013. Selon les données collectées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, 58 000 demandes ont été déposées au cours des 11 premiers mois de l'année 2014. Il devrait donc y en avoir environ 63 000 au terme de cette année. En 2013, le nombre de demandeurs était d'environ 66 000. 16% de ces demandes ont reçu l'agrément de l'OFPRA, 27% en tout après intervention de la Cour nationale du droit d'asile. La France est donc loin de ployer sous le poids des demandes, comme il arrive de l'entendre trop souvent par le truchement d'un certain nombre de démagogues patentés. Je rappelle que l'Allemagne accueillera en 2014 presque trois fois plus de demandeurs d'asile que la France. La Suède accueillera en 2014 plus de 80 000 demandeurs d'asile, alors que sa population est six fois inférieure à celle de la France. Un tel parcours du combattant est épuisant. La France ne s'honore pas en l'opposant à celles et à ceux qui remettent leur sort entre ses mains et qui ont souvent traversé de terribles épreuves. Personne, personne vraiment ne s'exile par plaisir. Aussi, aux souffrances de l'exil, nous ne devons pas ajouter les blocages et les lenteurs d'une procédure qui ajoute des difficultés et des drames humains à des souffrances déjà incommensurables. Nous entendons tout d'abord réduire à neuf mois, en moyenne, la durée totale de l'examen d'une demande. À l'heure actuelle, celle-ci peut aller jusqu'à deux ans, contre un an, en moyenne, dans la plupart des pays de l'Union européenne.